Cortana, je veux seulement savoir si on les a perdus. Je crois qu'on connaît tous deux la réponse. On ne savait pas où on allait. Comment sont-ils ? Arrivés ici avant ? Leurs vaisseaux ont toujours été plus rapides ? Pour nous pister depuis Reach à vitesse lumière, mes options de manœuvre étaient limitées. On était dans le noir, hein ? Avant de décélérer, personne n'aurait pu manquer ce trou dans le sous-espace. Ils nous attendaient de l'autre côté de la planète. Alors, qu'en est-il ? Nos chasseurs éliminent en ce moment leur dernière unité de recours. Rien de sérieux. Mais j'ai isolé les signatures d'approche de plusieurs groupes de combat de classe CCS. Avec 3 vaisseaux majeurs par groupe, ils seront sur nous dans environ 90 secondes. Bien, on y est. Rétablissez l'alerte Alpha sur le vaisseau. Je veux voir tout le monde à son poste. Tout le monde ? Tout le monde. Au fait, Cortana. Accueillons chaleureusement nos vieux amis. J'ai déjà commencé. Attention à tout le personnel de combat. Veuillez rejoindre vos postes. Cinquième section, fermez les sas du pont 11. 14e section, retrouvez la section tactique 22 à la cloison Charlie 14. Vous avez entendu la dame ? Allez à Podner ! Ce n'est pas un exercice. Je répète, ceci n'est pas un exercice. Les gars, c'est ici qu'on va montrer à ces saloperies de face de pieuvre qu'ils auraient dû réfléchir avant de s'attaquer à l'espèce humaine ! On va faire de la bouillie de ces épouvantails d'opérettes jusqu'à ce qu'on ait plus une seule cartouche, et ensuite, on les étranglera avec leur propre boyau ! J'ai raison, Marines ! Oui, sergent ! Ça oui, j'ai raison. Allez en route, et que ça saute ! Votre attention à tout le personnel. Nous attaquons de nouveau l'ennemi. Contact externe et interne imminent. Et vous, les bleus qui vouliez voir des Covenants de près, vos rêves vont être exaucés. Waouh ! Monsieur ? Bien. On attend le dégel. Ok. Systèmes fondamentaux activés. Ouverture dans 30 secondes. Ça y est, ouverture dans 5 secondes. Capitaine Keyes ? Ravi de vous voir, adjudant. Les choses tournent mal. Cortana a fait de son mieux, mais c'était perdu d'avance. Une douzaine de cuirassés des Covenants contre un seul croiseur de classe Alcyon. Vu la situation, je suis contente avec 3. En fait, 4 cibles abattues. Bien dormi ? Oui, mais pas grâce à votre pilotage. Je ne faisais que vous bercer. Au rapport. Ça doit être un de leurs groupes d'abordage, une charge antimatière, j'imagine. Madame, la conduite de tir du canon principal est désactivée. Capitaine, le canon était ma dernière option offensive. Très bien. J'applique le protocole Cole, article 2. On abandonne l'automne. Et vous aussi, Cortana. Et pendant ce temps, vous coulez avec le navire ? C'est à peu près ça. L'objet qu'on a trouvé, je vais essayer d'y poser l'automne. Sauf votre respect, chef. Cette guerre a déjà tué trop de héros. J'apprécie votre intérêt, Cortana, mais le protocole est clair. La destruction ou la capture d'une intelligence embarquée est hors de question. Ce qui veut dire que vous devez quitter le vaisseau. Désignez plusieurs zones d'atterrissage, téléchargez-les dans mon réseau neural et préparez-vous à un dur transfert. Aïe aïe, chef. C'est là que vous intervenez, adjudant. Débarquez Cortana du vaisseau. Mettez-la à l'abri de l'ennemi. S'ils la capturent, ils sauront tout sur nous. Dispositif, recherche en armement. La Terre. Je comprends.
L'automne va continuer ses manœuvres jusqu'à ce que vous lanciez la séquence d'atterrissage. Un conseil, laissez mes sous-programmes superviser l'approche finale. Excellent travail, Cortana. Merci. Vous êtes prête? Transférez-moi. Bonne chance, adjudant. Votre architecture n'est pas si différente de celle de l'automne? Ce n'est pas le moment de plaisanter. Oh non! Oh non! Non! Ce serait vraiment une bonne idée de filer. Allez-y. À vos ordres! On est dégagé! Distance de sécurité dans 5 secondes! On va réussir, pas vrai, chef? Mais je veux pas mourir ici. Regardez! Qu'est-ce que c'est que ce truc, lieutenant? Aucune idée, mais on y atterrit! L'automne! Il a été touché! J'en étais sûr. L'automne accélère. Qui se passe en manuel? Attention, on y est. Entrez dans l'atmosphère de l'anneau dans 5 secondes. Vous êtes sûr de ne pas vouloir vous asseoir? Ça va aller. S'il me restait des doigts, je les croiserais. Comment on va faire pour y entrer s'il est en l'air? J'ai un fusil, mais j'ai pas des ailes! Il y a un ascenseur gravitationnel qui transfère les troupes et les provisions du vaisseau à la surface! C'est par là qu'on entrera! Vous êtes fou d'être venu ici. Vous savez pourtant bien que... Merci. Messieurs, verrouillez et chargez vos armes. Parez à partir. Oui, sergent! Pendant que les Covenants nous retenaient là-haut, j'ai entendu les gardes parler de ce monde anneau. Ils l'appellent... Halo. Une minute, chef. Connexion au réseau de combat des Covenants. D'après les données de leur réseau, l'anneau a une profonde signification religieuse. Si mon analyse est correcte, ils considèrent Halo comme une sorte d'arme. Une arme d'une puissance inimaginable. Alors c'est bien vrai. Les Covenants n'arrêtaient pas de répéter que quiconque contrôle Halo contrôle le destin de l'univers. Tout s'explique. J'ai intercepté différents messages sur une équipe de Covenants à la recherche d'une salle de contrôle. Je croyais qu'ils cherchaient la passerelle d'un croiseur que j'ai endommagé pendant le combat au-dessus de l'anneau. Mais en fait, il s'agit de la salle de contrôle d'Halo.
C'est une mauvaise nouvelle. Si Halo est une arme et que les Covenants s'en emparent, ils l'utiliseront contre nous et anéantiront l'humanité. Chef, Cortana, j'ai une mission à vous confier. Trouvez la salle de contrôle d'Halo avant les Covenants. Marines, en avant! À vos ordres! Bien, chef! Chef, prenez la tête. Voilà, le vaisseau est prêt. Tout le monde, à bord. Donnez-moi une minute pour me connecter à l'interface du vaisseau. Ah, inutile. Je vais prendre les commandes. Capitaine, des Hunters! Cramponnez-vous! Bien joué, capitaine. L'heure de la revanche a sonné. Les Covenants estiment que ce qu'ils appellent le cartographe silencieux est sous cette île. Le cartographe est une salle de cartes qui nous mènera au centre de contrôle de Halo. L'île est dotée de multiples structures et installations. L'une d'elles abrite la salle des cartes. Nous approchons de la zone de dépose. Ça va être chaud. Préparez-vous à être secoué. Bien. Ça devrait ouvrir la porte menant au puits principal. Analyse. Le centre de contrôle d'Halo se trouve là. Si mon interprétation est bonne, cette structure est une sorte de temple ou de sanctuaire. Fauxhammer, voici les coordonnées et le plan de vol que j'ai établi. Cortana, ces coordonnées sont souterraines. Les Covenants ont effectué une étude sismique approfondie et selon mes analyses, Halo est criblé de profonds tunnels qui encerclent tout l'anneau. J'espère que votre analyse est juste, Cortana. Ce pélican n'est pas conçu pour ça. Positivé, Fauxhammer. Les Covenants s'attendront à tout, sauf à une intervention aérienne. Par le sous-sol. Ça y est, le centre de contrôle d'Halo. Essayez ce terminal. Tout va bien. Parfaitement bien. Vous n'imaginez pas la quantité d'informations. Le savoir, si riche, si rapide, magnifique. Et cette arme, de quoi s'agit-il? De quoi parlez-vous? Restons concentrés. Halo, comment l'utiliser contre les Covenants? Cet anneau n'est pas un gadget, espèce de barbare. C'est autre chose, quelque chose de bien plus important. Les Covenants avaient raison. Cet anneau, c'est un Forerunner. Donnez-moi une seconde. Oui, le Forerunner a construit cet endroit qui a été baptisé Monde Forteresse pour... Attendez... Non, c'est impossible.
Oh, c'est Foot Covenants. Ils devaient le savoir. Il y a sûrement eu des signes. Doucement, je ne vous suis pas. Les Covenants ont trouvé quelque chose dans cet anneau, quelque chose d'horrible. Et maintenant, ils ont peur. Un truc enterré ? Où ça ? Le capitaine, nous devons arrêter le capitaine. Keys ? Qu'est-ce que... La cage d'armes qu'il cherche n'est pas vraiment... Il faut l'empêcher d'y entrer. Je ne comprends pas. Le temps presse. Sortez d'ici. Trouvez Keys. Arrêtez-le. Avant qu'il ne soit trop tard. Pourquoi toujours nous infliger ce sermon, sergent ? Attention à ce que vous dites ! Ce sermon est votre histoire ! Cela devrait vous rappeler pourquoi nous nous battons ! Hey ! Si les Covenants veulent effacer cette partie précise de mon histoire, ça me va ! Oui, plutôt l'histoire que nous. Demandez-leur gentiment la prochaine fois, Bisonti. Je suis sûr qu'ils seront ravis de rendre service. Ça me paraît calme ! On se pose ! Go, go, go! Restez tout près, Jenkins! Mendoza, avancez! Attendez le capitaine et ses gars ici, puis suivez-les. Chef! Ok, on y va! Bizarre, non? Tenez, regardez! Quelque chose lui a ouvert la poitrine pour s'y faufiler! Qu'est-ce que c'est? Une incision plasmique? Peut-être, je sais pas. Il a peut-être eu un accident. Vous savez, tir fratricide, je sais pas. Qu'est-ce qui se passe, sergent? On dirait une patrouille de Covenants. Unité d'élite, des coriaces. Tous décalqués. Très joli. Un ami à vous? Non, on vient de faire connaissance. Bien. Ouvrons cette porte. Je vais essayer, chef. Mais on dirait que les Covenants l'ont bien verrouillée. Débrouillez-vous. Oui, chef. Je sens pas ce truc. Mais vous avez toujours de mauvais pressentiments. Capitaine, sergent, vous m'entendez ? Qu'est-ce qui se passe, soldat ? Nous sommes en contact. Il y en a plein, mais ils ne sont pas Covenants. On est complètement dépassés. Non ! Non ! Caporal, vous me recevez ? Terminé.
Mendoza, filez sur la position du deuxième groupe. Et tâchez de voir ce qui se passe là-bas. Pas le moment de discuter, soldat. Je vous ai donné un ordre. Mais sergent, écoutez. Qu'est-ce que c'est? D'où ça vient, Mendoza? Je... Là! Regardez! Ne bougez pas! Ne bougez pas! Faites-leur leur fête! Sergent, on est cerné! Bon sang, Jenkins! Ouvrez le feu! Il y en a trop, sergent! Ne tentez rien, soldat! Ah! C'est fou! Revenez ici, soldat! C'est un ordre! Jenkins! Bonjour, je suis le moniteur de l'installation 04. Je suis 343 Guilty Spark. Quelqu'un a libéré les Floods. Je dois l'empêcher de quitter cette installation. Mais j'ai besoin de votre aide. Venez, par ici. Chef, j'ai perdu votre signal, où êtes-vous? Chef! Chef! L'énergétique entourant l'index se désactivera lorsque l'on sera au rez-de-chaussée. Vous pouvez récupérer l'index. Conformément au protocole, je dois transporter l'index. Votre forme organique vous expose à une infection. L'index ne doit pas tomber entre les mains des Floods avant qu'on soit à la salle de contrôle pour activer l'installation. Les Floods se répandent, il faut faire vite! En clair, tout organisme doté d'une masse suffisante et de cognition est un vecteur potentiel. Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. Splendide, on y va? Hélas, je ne peux pas vous aider davantage. Le protocole n'autorise pas les unités de ma catégorie à effectuer des tâches aussi importantes que la réunification de l'index et du noyau. Cette dernière étape est pour vous, réclameur. Bizarre, ça n'aurait pas dû arriver. Oh, vraiment ? Cortana. J'ai passé les 12 dernières heures ici, enfermé, à observer cette chose se préparer à nous trancher la gorge. Attendez, c'est un ami. Oh, je n'avais pas compris. C'est votre copain, hein? Votre pote? Avez-vous une idée de ce que cette vermine a failli vous faire faire? Oui, activer les défenses d'Halo et détruire les Floods. C'est pour ça qu'on a apporté l'index au centre de contrôle. Ce truc? Une intelligence artificielle dans le noyau, c'est totalement inacceptable. Allez-vous-en! Quelle impertinence! Je devrais m'occuper de vous. Vous croyez que ce serait une bonne idée?
Comment osez-vous? Je vais... Eh bien quoi? C'est moi qui ai l'index. Vous pouvez toujours parler. Assez. Les floods se répandent. En activant les défenses d'Halo, on pourra les éliminer. Vous ne savez pas comment fonctionne l'anneau, hein? Pourquoi les Forerunners l'ont-ils construit? Halo ne détruit pas les Floods. Il détruit leur nourriture. Les humains, les Covenants, qu'importe. On est tous comestibles. Le seul moyen d'arrêter les Floods, c'est de les affamer. Et c'est exactement le but d'Halo. Débarrasser la galaxie de toute vie pensante. Vous ne me croyez pas? Demandez-lui. C'est vrai. Plus ou moins. Techniquement, l'impulsion de cette installation dispose d'un rayon maximum de 25 000 années-lumière. Mais petit à petit, cette galaxie se videra de vie. Du moins, de vie disposant d'assez de biomasse pour entretenir les Floods. Mais vous le saviez déjà. Enfin, c'est évident. Il a oublié ce petit détail, hein? Nous avons suivi la procédure de confinement à la lettre. Vous avez toujours été à mes côtés lors de cette crise. Chef, je détecte une présence. Pourquoi hésiteriez-vous à faire ce que vous avez déjà fait? Il faut y aller. Tout de suite. La dernière fois, vous m'avez demandé si je le ferais, si j'avais le choix. J'y ai bien réfléchi, et ma réponse est toujours la même. Je n'ai pas le choix. Nous devons activer l'anneau. Sortez-nous d'ici! Si vous ne voulez pas aider, je trouverai quelqu'un d'autre. J'ai toujours besoin de l'index. Donnez-moi l'intelligence artificielle ou je serai contraint de vous la prendre. Ça ne risque pas. Très bien. Sauvez sa tête. Débarrassez-vous du reste. Trouvons un véhicule et allons voir le capitaine. Non, ce sera trop long. Vous avez une meilleure idée? Une grille de téléportation traverse tout Halo. C'est grâce à elle que le moniteur se déplace si vite. J'ai appris à utiliser la grille lorsque j'étais au centre de contrôle. Hélas, chaque saut nécessite une importante dose d'énergie. Quelque chose me dit que je vais détester. Mais je suis sûre de pouvoir l'extraire de votre combinaison sans dégâts à vos boucliers. Inutile de dire qu'on ne doit essayer qu'une fois. Allez-y. Le réseau Covenant est en piteux état. D'après ce que j'ai rassemblé, leur chef a ordonné à tous les vaisseaux d'abandonner Halo après avoir découvert les Floods. Mais ils ont trop tardé. Les Floods ont envahi ce croiseur et l'ont désactivé. Les Covenants craignent que les Floods ne réparent leur vaisseau et l'utilisent pour quitter Halo. Ils ont dépêché une force d'attaque afin de neutraliser les Floods et réparent le vaisseau en vue d'un départ immédiat. Je capte parfaitement le signal du transpondeur CNI du capitaine Keyes. Il est vivant et ses implants sont intacts. Le réacteur endommagé du croiseur cause des interférences. On va se rapprocher le plus possible. Oh, je vois! Les coordonnées doivent être... Bien, désolé. Aucun signe de vie humaine détecté. Le capitaine, il est des leurs. On ne peut pas laisser les Floods quitter cet anneau. Vous savez ce qu'il aurait voulu? Ce qu'il aurait voulu qu'on fasse. C'est fait. J'ai le code. Allons-nous-en.
l'engin se désintègre. Ça va aller. On n'y arrivera pas. On y arrivera. Fuyez! Fuyez! Vous l'avez fait exprès, hein? Je quitte la maison quelques jours et voilà le résultat. Ça ne sera pas long. Voilà, ça devrait nous laisser le temps de rejoindre une nacelle de survie et nous éloigner d'Allo avant l'explosion. Désolé, mais c'est hors de question. Quelle plaie! Ridicule, mettre en péril une telle intelligence artificielle embarquée avec tant de connaissances, au risque qu'elle soit capturée ou détruite. Je l'ai, un captage local. Ah, mais c'est passionnant. Un enregistrement de notre passé révolu. L'histoire humaine, hein? Fascinant. Oh, je vais apprécier chaque moment de sa catégorisation. Comment pouvez-vous envisager de détruire cette installation et cet enregistrement? J'en reste sans voix. Il a interrompu la séquence d'autodestruction. Pourquoi continuer à le combattre, Reclaim? Vous ne pouvez pas gagner. Donnez-nous l'intelligence artificielle et vous mourrez sans trop souffrir et... Au moins, je contrôle toujours le réseau de communication. Où est-il? Je détecte une présence dans le vaisseau. Sûrement des sentinelles. Quant au monitor, il est à la propulsion. Il doit tenter de désactiver le noyau. Même si je parvenais à relancer le compte à rebours, je ne sais pas quoi faire. Quelle puissance vous faut-il pour casser l'un des boucliers du moteur? Pas grand-chose. Disons une grenade bien placée, et pourquoi... Ok, je vous accompagne. Chef, des sentinelles! Jouer serré. C'est parti. Viens par ici, espèce de conne. Non, que de la poussière et des échos. Il n'y a plus que nous. On a fait ce qu'il fallait. Pour la Terre, toute une armada de Covenants éliminée. Et les Floods, on n'avait pas le choix. Allô? C'est fini. Non, je crois que ce n'est que le début.